Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlogmas numéro 8. On est du coup mardi 8 décembre et il est 16h44. Je viens de finir ma journée de travail et je commence à me préparer parce que aujourd'hui c'est quand même une journée spéciale pour moi puisque avec mon copain on fête nos 5 ans. Généralement on a pour habitude d'aller au restaurant, généralement on va toujours au même. Mais cette année comme c'est compliqué avec les restaurants, enfin ils sont fermés tout simplement, on va manger à la maison. Je vais aller chez lui, on va faire à manger et puis après on va manger du coup ensemble. Et je suis en train de me préparer du coup pour y aller. Moi aujourd'hui je suis un peu tendue. Enfin cet après-midi je suis un peu tendue, je suis un peu crispée parce que j'ai eu envie de Red Bull. Et j'en ai bu une et en fait la Red Bull ça me fait ça, ça me crispe. Et ça me... J'ai l'impression d'être un enfant qui a mangé trop de sucre. J'ai l'impression d'avoir trop d'énergie. Mais j'ai rien à faire en fait, je dois juste me maquiller. C'était une erreur de ma part de boire une Red Bull avant de me maquiller en plus. Je vais essayer de faire un maquillage assez simple et quand je dis je vais vraiment essayer parce que je dis ça à chaque fois et au final je me retrouve avec des yeux orange ou violet parce que bah de une j'ai pas envie de me maquiller clairement parce que le soir je dois me démaquiller et c'est ça qui m'énerve avec le maquillage, c'est qu'il faut le démaquiller. On devrait faire un maquillage qui n'est pas toxique pour la peau. Tu vois, on devrait inventer un maquillage qu'on peut mettre sur son visage et qui peut rester et puis qui s'enlève tout seul ou qui est absorbé par la peau. Je sais pas, inventer quelque chose s'il vous plaît les gens intelligents. Je vais essayer de faire un maquillage valeur sûre, tu vois ce que je veux dire. Un maquillage où je sais que je vais être à l'aise et que j'aime bien quoi. Et généralement les maquillages comme ça, c'est je fais vraiment rien de spécial. Je fais juste mon teint et ensuite... Et ensuite au niveau des yeux, j'essaie juste d'allonger un peu mes yeux avec une couleur neutre. J'aimerais les attacher là, attacher cette mèche, mais j'ai peur de casser mes boucles. Parce qu'aujourd'hui j'ai essayé de faire un nouveau truc, enfin j'ai essayé. En fait j'ai lavé mes cheveux et je les ai pas coiffés. Sauf que les boucles elles sont bien pendant une heure et après c'est la merde. Et là, ça commence déjà à me saouler. Franchement, les pinceaux Morphe, passez votre chemin. Moi je comprends pas les gens qui arrêtent pas de dire qu'ils sont bien. Or ils sont bien parce qu'ils sont pas chers, mais franchement je préfère encore acheter des pinceaux Zoeva. Ceux-là ils sont vraiment bien. Plutôt que ces pinceaux, déjà ils piquent. En fait ils sont pas doux. Et en plus, ils perdent des poils. C'est horrible. Ensuite, je vais passer aux yeux et je vais prendre un crayon marron. Je vais juste faire un thread liner un peu épais et pas très précis. Et ensuite, je vais prendre un pinceau assez fin et je vais l'estomper. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite avec un petit pinceau, je vais prendre juste une couleur marron, un peu plus claire que mon crayon. Là j'utilise cette palette Too Faced. C'est Too Faced? Ouais. Et avec un marron un peu clair, je vais juste aller estomper mon fard. Et ensuite, je vais prendre ma palette Natasha Denona. Celle-ci. Putain, j'y arrive pas aujourd'hui. Celle-là. C'est la Sunrise Palette. Et les fards pailletés de cette palette, je les trouve vraiment trop beaux. Et je vais prendre un champagne. Et je vais le mettre sur la paupière mobile. On va dire sur les trois quarts de l'œil. Quand je fais ça, je trouve toujours avec le même pinceau, je trouve que les couleurs se fondent mieux et ça fait un regard un peu pailleté quoi, sans abuser des paillettes. Après, je vais reprendre mon petit pinceau et la couleur dorée de la palette. Je suis pas sûre qu'on voit bien, mais c'est pas grave, c'est pas un tuto. Et cette couleur dorée, je vais la mettre en bas. Tu vois que c'est déjà moins naturel que ce que je voulais faire. En fait, je suis déjà en train de faire trop d'étapes.
Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire mes sourcils parce que mes sourcils m'irritent au plus haut point. Ensuite, je vais prendre ma palette d'highlighter préférée. Et c'est celle-ci de chez Ofra. Et je trouve que c'est trop trop beau là, les highlighters. Et je vais un peu les mélanger. Je vais un peu tous les mélanger. Par contre, il faut faire attention parce qu'ils sont très pigmentés. C'est pas trop beau? Trop beau. Ouais, ils sont trop pigmentés, mais c'est pas grave. Avant d'appliquer mon mascara, je vais juste mettre du Fix Plus. Pour mes cils, je vais mettre ce mascara, le Colossal Big Shot en extra noir. Ou c'est noir? Oui, c'est en extra noir. Et je vais mettre celui-là tout simplement parce qu'il est facile à démaquiller. Comme ça, ce soir, je galère pas trop. Et en fait, juste avec de l'eau chaude, il s'enlève bien celui-là. Et ce que j'aime bien avec ce maquillage, c'est que comme j'ai le ras de cils bien foncé, on dirait que j'ai des faux cils carrément. Alors que c'est juste un effet d'optique grâce au liner foncé qu'il y a. Et pour mes lèvres, je vais utiliser le Iconic Nude de Charlotte Tilbury. C'est juste un crayon. Oh non, et j'ai pas de taille crayon. Je vais essayer de l'utiliser parce que j'ai pas de taille crayon. Je vais utiliser le Pillow Talk de Charlotte Tilbury toujours, mais en fait je vais juste passer mon doigt comme ça et je vais tapoter légèrement et je vais mettre un petit peu de gloss. Et mes gloss préférés, c'est les Fenty, y a pas mieux, ils sont vraiment beaux. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. Il est 9h40 et je viens de raccrocher avec ma copine Binta. On était au téléphone pendant presque 2 heures. J'ai pas vu le temps passer, j'ai pas avancé sur le vlog ni sur le montage. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai passé une super bonne soirée. On a bien mangé, on s'est bien pété le bill. Et en plus, j'ai reçu une belle rose et un beau bracelet que j'aime trop. Je trouve vraiment trop beau, en fait c'est tout simple et c'est tout à fait dans ce que j'aime en fait. Et en plus, pour sublimer cette belle journée, j'ai appris que ma cousine attend un beau petit garçon, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de le rencontrer et je ne sais même pas l'expliquer, mais il n'est même pas là, mais on l'aime déjà, c'est abusé. Et voilà, donc
belle petite journée. Je vais arrêter de vlogger ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Et en attendant le vlog de demain, je vous fais de gros bisous. Ciao. Me.